Yo, salut tout le monde, c'est Marcus. Bonjour Comment tu vas, Marcus. mon... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Ah mais si 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 si, faut te non! Bon, court-circuiter attends, on tout va de la suite. refaire. Écoute, je vais faire Yo, salut tout le monde, c'est Marcus, et je te laisse parce que sinon, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois on change les intros, du coup, on sait jamais quand est-ce que c'est à l'autre de parler. Ouais, c'est ça. Putain. Bon, allez, vas-y, je capture bien, je capture, ok. Yo, salut tout le monde, c'est Marcus. Bonjour Marcus. Stop, stop, non, t'es trop lent. Mais calme-toi! Mais non, mais on t'a contact, mec, Mais vas-y, regarde-le, quoi, lui, doucement! on est pas T'inquiète! là, t'as beau te réveiller, c'est bon, quoi. C'est genre, salut tout le monde, c'est Marcus. Oui, bonjour, excusez-moi, je viens de me réveiller, c'est Body. Non, t'inquiète, c'est pas ça. Vas-y, Ok. refais-la ton intro. Ok. Yo, salut tout le monde, c'est Marcus. Bonjour Marcus. Bonjour, Buddy. Comment tu vas? Ça va? Bien et toi? Ouais, Ouais. tranquillement. Tranquillou? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dis-moi. Eh bien, on va explorer une nouvelle planète qui s'appelle Yo, comme mon Yo d'il y a quelques secondes. Et voilà, on dit vite fait, on est toujours avec Rémi Légende. Finalement, il va nous accompagner jusqu'à la fin de l'aventure, de ce que je comprends. Ouais, je Parce qu'on pense, a déjà ouais. 3-4 VOD Qui voilà, s'est tourné avec incrusté en lui. douceur, le petit C'est malin. ça, non mais carrément quoi, j'ai fait 3 VOD tout seul. 2-3 VOD tout seul avec Body et le reste avec Rémi Légende. Et Rémi Légende qui regarde mes VOD parce que Body n'a pas encore posté ses épisodes chez lui. Ouais, désolé parce que j'étais vraiment très occupé à monter mon personnage, mais du coup j'ai délaissé complètement ma chaîne YouTube. Je suis C'est ça, vraiment puis il dort désolé. beaucoup aussi, il dort beaucoup, Oui, je bien balance, sûr. hein, mais... Oui, je suis sur 15 heures par jour sur Destiny, tu vois. Ah, Ouais, non mais c'est pour ça, le oui. mec, il passe un peu trop sa life dessus. Mais je Alors vais un juste peu comme arrêter ça, après. ouais, bah il va falloir peut-être que tu fasses un petit coup de frein là, parce que bon, après les horaires que tu m'as dit, dont je ne dirai rien, hein, Ouais. ouais, hein, n'oublie pas que tu approches des 43 ans, fais gaffe. Ouais, toi t'es pas loin de des 50 ans, tu vois, Bah Tanki. oh, c'est qui le plus vieux ici? C'est toi, c'est pas moi. Ouais, il y a juste un an d'écart, hein. Ouais, c'est pas faux. Bref, juste pour dire avant de lancer la mission, c'est que voilà, regardez la puissance par rapport à la VOD précédente. Voilà, j'étais niveau 126. Bon, peut-être que je me suis amélioré, que j'ai augmenté la puissance au fur et à mesure de l'épisode. Mais voilà, je suis niveau 20, 204 de puissance. Et je vous montre vite fait mon titan, ma titan. Voilà, avec pas mal de pièces légendaires. Bon, je traîne pas trop parce que Body attend. Et Hein, peu surtout, importe, je m'en fous Body moi. et les viewers de Body ne voient pas ce que moi je vous montre. Et par contre, je n'ai toujours pas fait Body la mission solo où il faut récupérer les nouvelles doctrines. Ah, tu as toujours pas fait celle-là? Non, je pense que je ferai ça demain. Bref. D'accord. Bref, donc voilà, on a fait Titan, on a fait Nessos, le plagiat de Vénus. Et là, nous partons juste ici. Yo, donc, Oasis perdue, Mesa de l'écho. Depuis qu'elle a perdu sa lumière, Ikora a de nombreuses questions. Et elle n'a pas l'intention de quitter Yo sans y trouver des réponses. Puissance conseillée, plus 120, donc on est très très large. Vas-y. Exactement. Vas-y, hein. Tu lances, Bim! il n'y a pas de C'est souci. bon, c'est lancé. Là, le chrono est balancé, tout simplement. Voilà, donc en fait, hier, il t'a fait comment pour XP de ton côté? Bah Tu as. XP, bah, je me suis mis. Bah, tu m'as rejoint pendant un petit bout de temps et du coup, tu as pu voir que voilà, j'ai un petit peu tourné en rond sur la map terrestre. J'ai affronté plusieurs vagues d'ennemis à côté de l'église, hein, là où tu spawns, quand tu as les Ce cabales et monolithe les entier est déchus plein qui attaquent. d'énergie qui reste Et je de vais me l'œuvre taire pour inaccomplie écouter. du voyageur. Ok. Pas étonnant que les gardiens considèrent ce lieu comme sacré. Maintenant que Cade est de nouveau opérationnel, nous n'avons plus qu'à trouver Ikora pour reformer l'avant-garde et détruire le Tout-Puissant. Ion! C'est pas fini. Bienvenue sur Io. Vous avez vu mon beau vaisseau, c'est le même que depuis le début du jeu. Bah, elle est pas mal. Ça change pas Ouais. grand-chose, sincèrement. Bah, c'est plus stylé quand t'as un vaisseau comme toi ou le Rémi Légende. Te voilà, voyageur. Bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. De tous les lieux que j'ai visités,
depuis ma renaissance. Je ne pensais pas me retrouver ici, au dernier endroit où le voyageur s'est posé. Je suis venu en quête de réponse, mais je n'ai toujours rien trouvé. Ikora, Zabala est en train de former une résistance, et il pense que... À quoi pourrait bien servir une résistance si vous êtes le seul qui survivrait? Je pense que ce monstre, Ghaul, sait que ce lieu a été béni par le voyageur. Je pense qu'il a envoyé sa légion ici pour y trouver quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. Et je pense qu'il continuera à profaner tout ce que nous tenons pour sacré. Sauvez ce lieu, gardien. Ne gaspillez pas cette seconde chance. On va essayer de faire le café. D'accord, tu veux faire le café sur la planète. T'es comme Ouais, ça, toi. je fais le café, tu fais le taf, et comme ça, quand tu reviens, bah, je te propose le café que j'ai fait de mon côté. Ouais, comme ça, on va voir s'il est bon. Ouais, mais t'inquiète pas, moi, c'est un café corsé, hein. Ah, C'est pas du d'accord. café au lait ou du café pour les gens voilà, qui n'aiment pas le goût. Ouais, et Ouais, dis-moi c'est alors. du café fort ou rien. Parce qu'on parlait justement de ton grade. Oui. Alors, tu t'amusais un peu comme moi au début sur Terre à tourner un petit peu avec les fameuses personnes là, c'est-à-dire les Ouais. monstres qui tournaient là-bas. Mais du coup, là, t'as vu dès que t'es passé grade 20, qu'est-ce qu'on obtient? C'est pas mal, hein? Ah Avec le ouais, non mais jeton. on obtient tout plein. Voilà, quand tu vas voir les bonnes personnes et que tu donnes les jetons que tu as récupérés durant les différents assauts, etc. Eh bien, ils te donnent des choses bien stylées, surtout des engrammes légendaires pour ma part. Ah non, mais c'est Engrammes d'office, c'est d'office. légendaires, le passereau hein, que j'ai récupéré au Ah, t'as domaine. récupéré. Ah, cool. T'as Ouais, lequel et alors? tiens, je vais te montrer tout de suite. Regardez, invoquer le véhicule. Ah, Ah, mais t'as le même, enfin. non? Non, Ah moi non? c'est un légendaire que j'ai. Toi, t'as quoi? Et moi aussi, un légendaire. Ok. Bah, Un c'est pas légendaire, mal. mais qui est plus stylé, quoi. Non, ça c'est la peinture. C'est juste la peinture qui change. Ah Ouais, mais regarde, je sais pas si tu peux voir. ah. Ouais. Ça fait un petit effet carbone. Petit Je. effet, regarde, Non, parce que moi tu vois pas? j'ai. Ouais, si, je le vois. Mais tu veux jouer là-dessus, j'ai tous les couleurs en légendaire. Alors Mais attention, non, mais hein. c'est J'en bon, ai plein. voilà quoi. Je pas là-dessus, hein. J'en ai Et 40, hein. contrairement à hier, cette fois-ci, je ne courrai pas comme un con, tandis que toi et Rémi Légende êtes en passereau. C'est ça. Waouh! Regardez dans le ciel. Ikora, qu'est-ce que c'est? De l'énergie. L'énergie du voyageur. Mais qu'ont-ils fait? C'est de ma faute. Hey! J'aurais pu empêcher ça. C'est impossible, Ikora. Pas sans votre lumière. Je vaux plus que ma lumière. J'aurais pu essayer. J'aurais dû essayer. Mais après toutes ces années à mourir, renaître et mourir encore, le voyageur ne m'a laissé qu'une seule vie. Et j'ai peur de la perdre. Et ça reste une possibilité. Ghaul a une arme capable de faire exploser notre soleil. Quoi? Pourquoi détruirait-il ce qu'il a eu tant de mal à conquérir? Entrez dans la base. Elle doit sûrement contenir des réponses. Je vais pas le dire, mais t'as shooté Rémi. C'est hyper intéressant de les écouter parler, mais le problème, c'est pour l'instant là, moi je ne peux pas parler ni body. Et en fait, je voulais vraiment dire que. Regardez-moi cette eau! Turquoise là, on se croirait à la playa! Ouais, c'est joli, Si hein. c'est libre. D'accord, voilà, D'accord, déconnexion. je m'énerve tout. Non mais je m'énerve tout seul, désolé. Ah, je Ah suis oui, tiens, j'ai une déconnecté. nouvelle. T'es tout Déconnecté, seul? t'es déconnecté? T'es tout seul, ouais. Ah, je suis Qu'est-ce qui déconnecté. se passe? Ah merde! Bah, c'est Bon bah destiné en écoute, fait. Bah, on je va te rejoins. attendre, hein. Ouais. À tout de suite, Cambody sera là. Ouais, à demain. Connexion, serveur de destiné. Non, mais en fait, ça me le fait assez souvent, je sais pas pourquoi. Et même beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué aussi, ça leur fait exactement la même chose. C'est pas encore totalement fiable les serveurs sur ce jeu-là. Ouais. Ouais, le pire c'est en plein raid, hein. Alors là, tu pleures, hein. Tu lances un raid, t'es presque en train de le terminer, t'es déconnecté. Oui, Attention. bah ça c'est le truc qui chagrine un peu.
Ouais. Moi, pendant ce temps-là, avec Rémi, voilà, on s'observe, on fait des petits. Voilà. Voilà, moi, avec, je peux rien faire. Ce qu'on a pu récupérer. Non. Là, tu vois, ça me plaît mieux comme monde. Ah ouais? Par rapport à Nessos. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Tu sais, bah, déjà, cette eau bleue de ultra. T'as envie de t'y baigner pour de vrai. Tu sais, c'est limite. Si c'est pas une espèce de source d'eau chaude. D'accord, tu veux où, que je te fasse voilà, rigoler? Tu trompes tes... non, ah, vas-y, dis. C'est Steam qui vient de me déconnecter. Ah, ah nice. Ouais, j'adore. Parce que nous, on, là, on... Ah, mais, non, mais Rémi, les gens, fais gaffe, tu vas te noyer. Ah, c'est horrible. Voilà, tu t'es assis sur le fond de, cette, de ce petit... ce petit ok, endroit. Désolé, désolé pour la petite coupure, mais le souci que j'ai eu en fait, c'est que bah, mon logiciel en fait, que je capture, est tout simplement sur PC, rien d'extraordinaire, mais j'estime qu'il s'est lancé tout de suite parce qu'il y a bizarrement une mise à jour et boum, ça nous a complètement déconnecté de tous les serveurs. Ça, je t'entendais un peu en robotisé à 2 secondes en fait. On va t'attendre. Ouais, désolé, désolé. Hop là hein. Je ne prévois pas comme Steam, il a envie de mettre un jour un jeu en fait. Ça, c'est chiant ça. C'est pas faux, mais moi, c'est pour ça que Steam est éteint. Ouais, t'as bien raison, moi je l'avais éteint, mais c'est rallumé bizarrement. Pas rallumé, mais c'est lancé une mise à jour automatique comme ça sur un coup de tête. Ah ouais, non, mais moi les mises à jour automatiques, de toute façon, dès que je vois qu'il y a une mage, je la mets en pause. Ouais, t'as bien raison. Et je remets le téléchargement, ok, que quand je pars me coucher, comme ça, je suis tranquille. Mais tu vois, d'un côté, c'est chiant quand même, tous ces mises à jour. Je trouve qu'il y en a énormément de plus en plus. Le pire, c'est certains jeux, ils abusent vraiment. C'est tous les 2 jours, tu te prends une mise à jour de 3-4 gigas. C'est pesant ouais. À force, quoi. C'est pesant. Bon, là je vois que tu te connectes. Ouais, bah tu peux commencer. Tu veux réapparaître. Ouais, à côté de vous normalement. Non, je préfère t'attendre. La... Je suis toujours à côté de Rémi Légende. Ah, moi il me donne une cinématique. C'est bien. De quoi? Moi j'ai une petite cinématique en plus. Maintenant que Cade est de nouveau pour ton entrée dans l'atmosphère. Exactement. Pardon. Ah, d'accord. Ah merde. T'as vu, chanceux que je suis? Non, en fait, c'est la même chose. Non, je taquine. En fait, c'est que je suis rentré, il nous expliquait la même chose qu'il y a 5 minutes. D'accord. Bon, c'est bon, les amis, vous inquiétez pas, on y va. On peut pas prévoir des fois les jeux comme ça, les petits soucis techniques. Allez, on y va, je les rejoins un peu là-bas. Ils sont en train de danser. C'est bon, t'es là? Ouais, je suis là. Ah oui, c'est good. Ok, ah. On est parti. Ah, vous en avez mis du temps. Prends ton passereau. Toujours la traîne quand même derrière, hein. Oh le mec, tout ça parce qu'il a une cour en mousse quand il a son Steam qui se met à télécharger quoi. Ouais, le pire c'est qu'il y a 100 mégas quoi. Ouais, hein, c'est ça qui est bien. C'est que t'as une bonne co, mais non en fait. Ouais, c'est ça le pire. C'est que c'est vachement fiable quand même. Hein. Écoute la petite musique. Je n'entends rien. Ah, dommage. Elle est vraiment pas mal. Hein. Bienvenue sur l'Oasis perdu. Aucune musique quoi. Sérieux? Ouais. Parce que moi j'ai une petite musique d'ambiance qui est super intéressante. Ah ouais, bah écoute, hein. Non. Ah. Nous, c'est l'austérité sur 20, quoi. Une cargaison, Ikora. Essayez de découvrir de quoi il s'agit. Tout élément d'information qu'on peut trouver est bon à prendre. Allez, hop. Putain, c'est petit quoi ça? Petit combat. Eh non, mais attends, y'a. Rémi, je veux lui casser ses dents. Regarde, regarde, lui, il a garé son truc. Ah, je voulais le tuer. T'as pas vu? Je voulais faire ça, mais il m'a posé son vaisseau là à côté, il m'a bloqué. Oh, je veux ah le tuer. Ouais, il t'a empêché ton déplacement latéral. Exactement. Oh, je veux le tuer. Bah écoute, hein, fais-toi plaisir. Donc là, on commence à voir Rémi de plus en plus en avant. C'est ça là, il Rémi, se lâche. Hein. Calme-toi bien. En plus, j'ai reçu un message sur la vidéo, l'épisode 6 ou 7, où il me dit ah, bah ouais, mais moi, on m'a dit, voilà, vous m'avez dit de rester en arrière, je reste en arrière quoi. Ouais, bah ouais. C'est voilà, Rémi, il a tenu à confirmer qu'il était là pour protéger nos arrières. C'est ça. C'est de l'énergie brute du voyageur. Attends, je vais prendre mon arme énergétique. Ouais, vas-y. J'apprécie particulièrement. Je sais pas, j'aime pas ces armes. C'est par là. T'aimes vas-y, pas, ouais, je te suis. Parce que t'aimes rien. C'est quoi la mission déterminée? Est-ce que fait la Légion Rouge sur Yo? Et... Ah mais putain, tu me fais chier bordel de merde. Mais putain, toi aussi contre, dans la nuit, c'est dans les zones obscures, on voit bien tes plaques d'armure sur tes bras. Ah oui, c'est l'armure, ouais. Elle est vraiment pas mal celle-là. Yep.
Allez, ouvre le chemin. Quel silence d'un coup. De l'apparition. La tension se fait palpable. Ah, tu vas sentir grincer. Sachant que je suis le meilleur joueur de la team, je pars devant. Ouais. On laisse l'honneur à celui qui va se faire tuer le premier. C'est ça. Il y a pas un truc là-bas au fond là. Je vois s'il y a pas des coffres. Là. Qu'est-ce que c'est deal? Réapparition limitée. D'autres sortilèges. Les corrompus. Non, parce que c'est apparu pile poil quand j'ai commencé à tirer. Ouais. Est-ce que ce serait de ma faute? Là est la question. Non. Ah. Parce que je ne supporterais pas d'avoir provoqué hein, cet instant un petit peu bizarre. Ouais, ce chaos. C'est quoi ces machins là là? C'est les corrompus. Ça fait mal aux yeux quoi. Tu sais, quand tu regardes trop de près l'espèce de portail. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu, yo, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ouais. Pour moi, le truc qui est bien, c'est qu'on a vraiment des planètes très différentes les unes des autres. Bah, yo, c'est la seule, on va dire. La seule vraie espèce nouvelle en fait sur Destiny 2, t'as l'impression. Ouais. Oui, et surtout, c'est celle qui est vraiment différente de ce qu'on a pu voir ailleurs. Quoi. Ouais, parce que Vénus, ça se ressemblait vraiment, tu vois, Vénus, tout ça. Ouais, Vénus et Nezos, c'est la même chose. Titan, bon bah Titan, la map, elle est sympa, mais bon, très clairement, t'y passes une heure. Ouais, ça sert pas grand chose, ouais. Les corrompus. Une armée d'âmes dérobées et sans but. Attends, je vais juste baisser le volume du jeu. Vas-y. Ouais, parce que j'entends plus le son du jeu, il m'expose les oreilles. C'est bon. N'est-ce pas justement le plan de Gaulle, mais avec la lumière ? C'est sûrement ça. Mais oui. Bon, moi j'avance tranquillou, pépère. Hein. Ouais, mais c'est enfin, ça. Je vais courir un peu. Parce que bon, c'est vrai que bon, quand t'es dans une grotte, dans un petit tunnel. Il y a un peu moins de choses à voir en fait. Pas, voilà, il y a pas grand. Voilà. Tu te fais un peu, voilà, mis à part regarder des murs en roche. Donc là, il y en a, ils vont trouver que c'est facile en fait à tuer les espèces. Non, c'est qu'on est juste un peu plus avancé que prévu normalement. C'est. Si on n'aurait pas XP tranquillement de notre côté, on serait un peu plus en difficulté. Parce que là, ça a l'air très facile. Que la puissance recommandée, c'est 120. Hein. Ouais, donc là, on est à 200. Toi, t'es à 220, je crois. Et on est à plus de 200 chacun, quoi. Ouais, c'est ça. Pour tenter de s'approprier la lumière. Mais merde! Oh non! Un Highlander! Nouvel objectif, rejoignez Korra. Ouais, je sais pas ce que ça fait si tu passes dans les portails. Quel portail tu veux dire là-bas? Bah, moi c'est ça, pour moi c'est des portails ça. Non, ça fait pas grand chose. Non? Non. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à. C'est une espèce de portail qui pourrait t'emmener dans une autre dimension ou. Ah, ça, tu vas être servi dans pas longtemps, t'inquiète pas. Ah, on aura des beaux portails. Oh, le mec, il spoil déjà. Ah, bah bien sûr, faut spoiler un petit peu de temps en temps. J'ai vu ça dans les thrillers. Là, le mec. Merde. Mais je voulais monter. Ah, c'est loupé. Non, c'est good. Là, je trouve qu'ils sont trop faciles à tuer. Ceux-là, je crois que c'est les espèces les plus faciles à neutraliser, quoi. Ouais, bah tu sais, hein, les déchus ou autres, hein, c'est pas non plus compliqué, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est les boss les plus faciles, que les Vex ils sont un peu plus costauds quand même. Yep. Bah c'est sûrement leur leur corps robotique hein, qui fait que... Ouais, c'est ça. Qu'on a cette impression. Mais par contre, ces ennemis là ont la capacité de faire des espèces de dash fantomatiques. Est-ce qu'on est bien sur la bonne voie? Yes. C'est toi l'éclaireur, parce que c'est toi qui vois tout ce qui se passe. Nous on voit pas vraiment. Ouais. Ah ouais, wow. Il a bondi comme ça d'un coup sur toi. il voulait tuer. Hein. Il a voulu faire un petit coucou hibou. Wow, quand c'est blanc comme ça, ça pète les yeux. Ouais. Par contre, tu vois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a vraiment pas de coffre en fait pendant le solo. Tu trouves rarement les coffres comme sur le 1, en fait, de temps en temps, t'avais un coffre caché. Ah oui, ouais. Mais il y en a pas là, vraiment. Bon, j'espère avoir une bonne récompense à la fin de cette mission. Oh là là, attention. Des phalanges corrompues.
Ouais, en fait, c'est des. C'est quoi? C'est des races qui ont été contaminées ou c'est vraiment une race spécifique? Bah, je dirais plus c'est une race qui a été pris en enfer ou je sais. Ouais, c'est ça plutôt. Ouais. C'est ça. C'est comme si t'avais. Là, on pourrait croiser des cabales corrompues, des. Ouais, ou des âmes perdues. Des... On peut dire c'est des âmes perdues, quoi. Un truc comme ça, grosso modo, ouais. Ouais. Du coup, c'est par là. Attends, mais. Ah, j'allais dire en parlant d'un coffre, j'en ai trouvé un, mais non. Non, y a pas de coffre, hein, vraiment. C'est dommage. Si c'est un coffre, mais que tu ne peux pas ouvrir. C'est pour faire beau. Écoute la voix du truc. Attends, dommage. Écoute, tu vas voir. Pas le temps. C'est hors sujet. Les corrompus sont en train d'extraire l'énergie de cette lune. Selon mes hypothèses, si on ne fait rien, Io risque d'imploser. Gardien, nous ne pouvons pas perdre ce lieu sacré. Faites ce qu'il faut. Arrêtez les corrompus. Ça te rappelle rien la voix? Vraiment rien. Pas du tout. Richthofen en fait dans les jeux de zombies dans Call of Duty. C'est la même voix. Exactement la même. Ah le docteur nazi là, le savant. Ouais non c'est ouais le foufou là. Ah, ça me dit... Non ça me dit rien. Si c'est la même voix en fait qu'il a. J'étais mort de rire la première fois. Mais je dis pas que c'est pas ça, hein. C'est juste que. Ouais, tu connais pas plus que ça. Pas du tout quoi, ouais. Ah là, tu vois, des fois, toi aussi tu connais pas des trucs, hein. Non mais c'est Call of aussi mec. Bah je pensais que tu jouais moins Call of, mais toi tu joues pas trop en zombie en fait, c'est ça? Non bah zombie, ouais, tu sais, sachant que je suis un joueur solitaire. Ouais c'est vrai. La plupart du temps, toi. Même si j'ai au final. Pas mal de poteaux un peu partout, c'est que voilà, je suis beaucoup tout seul. C'est juste parfois où je fais, tiens, je me dis, ça me tente pas mal de faire une petite partie avec avec un tel, parce qu'à chaque fois c'est des groupes différents quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Je dois avoir 5-6 groupes d'amis différents, donc voilà, on peut jamais se retrouver ensemble. Ouais. Ou alors des amis comme toi uniques. Ah. Et du coup c'est chaud quoi, tu sais de... Alors moi et ma passion de jouer tout seul et après moi et mon désir de jouer avec d'autres gens et généralement j'essaie toujours de me dire tiens je ferais bien un truc avec avec lui, tiens je ferais bien un truc avec quoi, je suis toujours en train de changer. Ouais non mais après je suis jamais constamment avec les mêmes personnes. Ouais c'est ça hein. Bah après c'est au feeling aussi selon le jeu, parce qu'il y a des jeux que tu peux faire plus avec des personnes et d'autres un peu moins. Par exemple il y a des jeux exactement. Parce qu'il y a des gens un peu plus bourrins, il y a des gens un peu moins bons, chacun en fait a sa spécialité quoi on va dire. Ouais. T'as bon, ma mitraille t'es pas précise, loin. Par contre j'ai trouvé vraiment une bonne arme, elle est très très stable pour une fois. C'est quoi? Bah je sais pas, tu pourras la regarder tout à l'heure, mais elle est vraiment, c'est la plus stable que j'ai trouvée dans le jeu. C'est celle qui tire vraiment ligne droite. Elle monte très très haut. Fusil automatique, ouais c'est un auto. L'erreur, un automatique. Ouais, un automatique, ouais. Ah. Et c'est la seule qui monte pas en fait. Ouais, parce que. Ah, tu vas aller par là-bas, non? Non, là où je suis. J'ai mis l'objectif à jour. Faire quoi? Faut tirer dessus ou quoi? On dirait qu'on a réussi à fermer le portail. Ouais. Non, faut sauter. Je détecte toujours une anomalie dans la dispersion des neutrinos. Attendez. Nous allons regarder de plus près. Attends, moi je récupère l'engramme bleu. Hein? Non, t'as des engrammes toi, carrément. Ouais, j'ai des engrammes, ouais. Ah ouais, t'es comme ça. Et il faut faire quoi? Il faut Bah voilà. Bah voilà. D'accord. Bah il a éclaté le truc. Et bah voilà. Bien joué. Ah mais moi je contrôle pas, parce que je suis trop curieux hein. Ouais, j'ai vu ça, la preuve t'as failli voilà, il a déclenché la fin. J'ai failli crever ou pas. Ah ouais, c'est ça qui est beau. Tu sais, je me suis dit oh ça a l'air joli, je vais mettre mon nez dedans. Et bah voilà. Et bim les extraterrestres sont arrivés. Je check si on attaque pas dans le dos. Voilà le boss. Là. C'est le boss. C'est lui le boss? Ouais, de ce niveau là en tout cas. Ouh le boss! Tiens, j'ai montré mon fusil à pompe. Oh, bah, moi je vais mourir. Moi il va m'éclater dans pas longtemps. On est à deux en spécial derrière comme il résiste. Hein. Moi je suis mort. Il m'écrase trop en fait. Il a des pouvoirs pour trop vite écraser. T'as vu ton spécial, il est pas efficace contre lui hein. Oh Rémi s'est fait souffler. Oh Rémi s'est fait souffler. Il a voulu me ranimer, il s'est fait souffler. Oui. Bien joué. Je suis aveugle. Ah ça c'est sûr, là t'as dû bien manger. C'est bon. Ikora, je sais que ce lieu est important pour vous, mais... Il n'y a rien qui me retienne ici sur Io. Il ne me reste qu'une seule vie.
et je suis prête à la donner pour arrêter Gaul. Partons immédiatement. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Ikora Rey, il faut qu'on parle. Quant à vous, gardien trop curieux, j'ai quelques mots à vous dire. Mission terminée. J'ai la voix, on dirait trop un savant quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est celui qui est dans tous les Call of. Une créature démoniaque. Ouais, c'est celui qui est dans tous les Call of en fait et qui fout toujours la merde en fait. Ouais, c'est ça, je te jure. D'accord. Ah. Non, franchement, il est pas mal celui-là. Yep. Et nous partons. Sur une autre ouais, enfin, non, mission. Vers une autre destination et une autre mission. Ouais. Et c'est là que je rigole. Toujours sur Yo. C'est ça. Et là, je rigole en quitte Yo, on va sur Terre. Qu'est-ce que t'en penserais, hein? Tu dis, ah, on a vite fait fleurer la planète, quoi. Ah ouais, t'imagines? J'aurais. Non! C'est ça. Non, là, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va encore devoir parler avec la planète. Tu te rappelles, les personnes qui gèrent la planète? Oui, 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 c'est ça. Ouais. Ouais, c'est, pour l'instant, les, c'est la même chose à chaque fois, ouais, c'est ça. Les secrétaires. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Il y a tout le monde, ça veut dire c'est ça. Ah, oh, un événement qui vient d'apparaître là au-dessus. Ouais, c'est un événement public. Eh, c'est stylé quand même quand t'as le vaisseau qui approche, tu sais, l'onde de choc, ensuite tu vois les petits panaches de chaleur ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Là, c'est beau la planète, elle est belle. Ouais. Attends, je vais causer au gars. Ah, il est où la personne? Ah, là-bas au fond. Bah là où je suis. Ok, donc là il y a un événement à côté. Donc je pense qu'on peut le faire. Hein. Ouais. Vu qu'en fait on a déjà la planète à côté. Donc ça arrive dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Donc, attends, moi je me mets en position. Vas-y, laisse-moi moi, juste 2 secondes. Charmir. Ça marche. Donc là, ce que je vais essayer de faire, fais attention. Pas le temps de niaiser. Choisissez votre équipement exotique et trouvez le point faible du tout-puissant en terminant la mission Führer. Ah ah ah, j'ai le choix entre un fusil à impulsion, qui m'a l'air bien stylé. Là, j'ai un revolver qui m'intéresse pas et un piste mitrailleur qui m'intéresse pas. Donc je vais prendre le fusil à impulsion. Voilà. Et à partir de là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je check. Qu'est-ce que j'ai au niveau des bots? 206. Ouais. Là. Là, là, là. Vas-y, montre-moi ça. Oh, le bruit! Attends, mais vous êtes partis, les mecs, là? Body? Ah, Body a totalement disparu, hein. Body! Bah, le mec il ne parle plus, hein. Il arrache quitter la life. Il s'est dit c'est bon, j'ai fait la mission avec Marcus. Maintenant je peux m'en aller, vaquer à faire d'autres choses. Ou alors il a son petit garçon qui est venu le voir pour lui dire qu'il avait fait caca dans sa culotte. Et là en fait Body est en train de nettoyer tout ça. Voilà, peut-être que mes suppositions sont... Ah, t'es là. J'ai dû vite fait courir aux toilettes parce que j'ai tellement bu aujourd'hui de la journée que j'ai... Désolé, hein, ça m'arrive jamais, mais alors là, je tenais plus. J'y étais presque. Je tenais plus du tout en place. J'avais dit que... Enfin, j'avais supposé qu'il y avait ton enfant qui était venu te voir pour que t'ailles lui changer les fesses parce que ah ouais, carrément mon enfant. Et bah, bim. Bah, bim, tu vois, je me suis moi-même changé les fesses. Ah, mais écoute, hein... Ah, tu sais plus quoi dire là. Ouais, non, mais c'est une chose à dire, mais est-ce que ça se dit Ah, attention, donc là vous êtes tous sur la zone. Toi, t'es où en fait exactement? Ouais. Ah, bah ouais, t'es devant moi. Zone, hein, je suis en train de me ranimer, non? Non, tu démerdes tout seul, mec. D'accord, espèce de traître. Non, bah je t'avais, moi je suis mort. Hein. Non, en fait, c'est que je suis mort parce que j'avais pas fait attention qu'ils sont. C'est le bombardement en fait qui est très délicat dans ce mode là. Ah, ouais. Oh, j'en ai un grain brillant. Non. Ouais, ah bah si. C'est légendaire en plus. Ouais, c'est ça. Saleté, va. What the fuck. Ça veut dire que personne va l'avoir maintenant. Pff, la honte. Je suis quelqu'un qui a de la chance. C'est toi en fait le corrompu dans le niveau en fait. C'est même pas les monstres, hein. C'est toi le corrompu.
Arrête de trouver des choses. C'est vrai, t'es corrompu. Voilà, Moi je suis pas corrompu, moi on me corrompt pas. Si, 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 dans le jeu ils t'ont corrompu, ils te donnent des cadeaux avant tout le monde. C'est ça en fait. Tu m'as pris pour quel youtubeur pour me dire que je suis corrompu là? Ah, ça je sais pas, moi tu te débrouilles. On dénonce pas, on dit pas de nom, mais. Ah ouais? Ouais, non, on dit pas de nom. Parce qu'après. Après, on va dire que. Ah, vous êtes des rageux et tout. Ah non, moi je connais pas de youtubeurs corrompus, ils sont tous excellents. Ah bah, surtout moi en plus. Hein. Ah non, toi t'es l'inverse. Ah oh ouais, là toi. Là, le mec. Toi... Allez, trash talk. Ouais, direct en live, t'as vu? Ah ouais, non, mais. Mais bon, c'est bien connu, hein. Tu sais, quand tu n'apprécies pas une personne. Ouais, tu fais des vidéos avec. Après. Tu joues avec, quoi. Exactement, ouais. Et tu la trolls dans les jeux. Oui, oui, oui. En fait, c'est une technique pakistanaise du principe du. Pakistanaise voilà, mes amis, ouais. Mes amis, je les garde très près de moi. C'est ça. Enfin, les ennemis, je les garde très près de moi, je fais des vidéos avec et je les dénigre. À la moindre occasion, ouais. Pendant les VOD, quoi. C'est ça. Oh, un engramme légendaire. Oh, bah tiens, moi aussi je suis corrompu. Tout le monde a eu un engramme légendaire. Ouais, mais toi tu l'as eu tout à l'heure, mais tu l'as pas eu dans le coffre. Ouais. Bah le jeu s'est dit, si on lui donne deux engrammes légendaires, les gens ils vont dire que voilà, il y a du favoritisme. Exactement. Marcus, voilà, il a payé le jeu, il a payé les développeurs et tout. Et, ouais, c'est ça. Mais coup, après je pense que non, en fait, les développeurs, comment t'expliquer ça? Ils ont d'autres, à mon avis, youtubeurs qui sont sous leur aile, quoi. Ah, mais carrément. Hein, parce qu'il y en a, c'est des vrais fans hein, de la série. Ils sont, oui, ils sont à fond, quoi, dedans. Voilà, si on a pas... voilà, moi personnellement, je n'ai pas été invité pour tester le jeu ouais, moi non à plus. Los Angeles ou je sais plus dans quel pays. Ouais, ouais, c'est à Los Angeles, je crois qu'ils ont vu. Voilà, moi j'ai jamais. C'est surtout pour ceux qui ont eu, voilà, gros respect hein, à ceux qui ont eu la motivation de jouer au premier Destiny pendant 3 ans. Ouais, ouais, 3 ans, ne jamais le lâcher. Par exemple, il y a une chaîne que je connais un petit peu qui s'appelle Zombie Factory, ils n'ont jamais abandonné le jeu. Mais vraiment, c'est des passionnés, ils sont à fond dans la. Ouais, ils sont vraiment passionnés, quoi. Tu peux être passionné, mais quand tu te rends compte que c'est toujours la même chose, tu peux te dire, mais putain, merde, l'univers il est bien, mais. Ouais, non, mais après, je sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, moi je pourrais pas tenir. Regarde GTA, moi j'ai pas tenu trop longtemps sur GTA. Moi, je sais comment ils ont tenu. Comment? Bah voilà, les vidéos ça fonctionnait bien. Ils se sont dit, si on arrête, on est mort. Donc du coup, on continue. Ouais, c'est peut-être possible aussi, mais on est après, ouais. Ouais. Putain, c'est logique YouTube, hein. Ouais, mais après. Annonce, hein, c'est comme ça que ça marche. Ouais, mais après, peut-être qu'il y a aussi un peu de passion derrière. Je pense que aussi, quand même, parce que pour tenir aussi longtemps, c'est quand même qui. Non, je pense que de toute façon, ils bossent bien sur leur truc, tu vois. Donc, c'est juste en fait que moi, je pourrais pas tenir autant. Je pourrais pas. Ah bah, moi non plus, hein. Ouais, 3 ans sur le même jeu. Ouais, même GTA, regarde, GTA, je marchais très bien à l'époque. J'étais à peu près au même niveau que toi. Et j'ai. Non, j'étais même au-dessus, mais bon, je voulais pas trop faire le vantard. Hein. Si, j'étais le premier déjà français à l'avoir sorti sur la plateforme. Je vais pas faire le vantard, ouais. J'étais un petit peu au-dessus de toi, en fait. Moi, je ne montrerai plus que le rire machiavélique, diabolique. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais après, j'étais à moi, franchement, j'ai fait le tour et je l'ai laissé tomber. Et c'est à partir de ce moment-là que ma chaîne a commencé aussi à couler. C'est ça, malheureusement, sur YouTube, c'est qu'on veut des fois montrer autre chose comme jeu, mais les gens ne s'intéressent pas plus que ça. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des jeux très, très, très bien. Mais bon, la communauté sur YouTube s'intéresse qu'à certains types de jeux, quoi. T'es pas d'accord avec moi, hein, Marcus? Non. Non, d'accord. Donc t'es pas d'accord. Non, écoute, hein, quitte à collaborer avec un YouTuber qui ne m'apprécie pas, autant que, voilà, je... D'accord. Je dénigre ses propos, que, voilà, je ne prenne pas parti sur ce qu'il dit. Ah ouais, ça veut dire que sur les jeux, tu prends pas parti. qu'il y a certains jeux qui marchent plus que d'autres et c'est dommage oui, en fait. Ah, c'est de ça que je te parle. T'es comme ça, ouais. Ouais, c'est de ça que je te parle. Comme ça. Ce n'est même plus. Ce n'est pas une particularité du YouTube de maintenant, c'est toujours été comme ça. Avant, toi, avant, ce qui fonctionnait bien, c'était Call of Duty et puis. Je sais pas, Call of Duty. Minecraft et LOL quoi. Battlefield, Minecraft, ça fonctionne toujours aussi bien, mais on va dire que. Vraiment, à une certaine époque, tu voulais percer sur YouTube. Ouais, tu faisais du Call of. Tu jouais à Call of, ouais. C'est ça. 2007, enfin même pas, entre 2007, 2008, 2009, 2010. Enfin, même pas, oui, même pendant quelques années, jusqu'à 2015. Ouais, c'est ça. 14-15, voilà, tu commençais YouTube, tu faisais obligé du Call of. Ouais, ouais. Mais depuis la sortie, je vais dire 2013. Mais depuis 2013, depuis la sortie de GTA V, tu commences une chaîne YouTube
soit que tu fais du Minecraft, soit tu fais du GTA V, soit tu fais du FIFA. Ouais, c'est ça. Ouais, FIFA aussi, il cartonne vraiment, vraiment bien. C'est un jeu oublié, mais il cartonne bien, quoi. Il y a beaucoup de communauté. Il y a trois jeux qui fonctionnent, hein, et c'est comme ça, c'est les chiffres qu'il montre aussi. Et t'en oublies un autre, c'est LOL aussi. LOL, ça fonctionne vraiment bien aussi. Ouais, LOL, ouais, mais c'est League of Legends, c'est sur PC. Moi, je te parle vraiment des... je suis plutôt parti sur les gens qui jouent sur console. D'accord. Ouais, c'est ça, en fait, hein, c'est ces jeux-là qui fonctionnent. Toujours comme ça, quoi. Mais après, dès que t'as des bons jeux, les gens, en fait, malheureusement, sont pas plus ouverts, j'ai l'impression. Ils regardent rapidement, mais après, ils abandonnent vite, en fait, le truc, quoi. C'est dommage. Mais bon. C'est pas faux. Chacun... Attends, je suis en train de checker un petit peu la carte pour voir. Il y a un autre événement, là, on le fait ou... Viens, on fait l'aventure. L'aventure. Non, c'est trop long, l'aventure, non. C'est trop long, hein. Ça fait déjà 40 minutes qu'on joue là. 40 ah ouais, ça fait peut-être un petit peu moins, sachant qu'on a... Bah si, t'as une aventure qui commence, bah vas-y, on va tout de suite dessus. Là alors. En face, là, un événement là-haut. Bah vas-y, je te suis. Tu me follow ? Ouais, je te follow, je te suis. Là j'ai activé... Oui, j'ai 1000 points en surbrillance. Ouais, t'as un truc qui te course derrière, c'est bien. Ouais. Et du coup, tiens, j'ai réussi enfin, alors je vais encore reparler de ça, à faire fonctionner ma télé. Ah ouais, bien. Parce que en fait, j'avais un problème de HDR. En fait, j'avais de la HDR 2K. J'étais en YUV. Enfin, c'était du 2160p en YUV, alors qu'il fallait du RGB. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu en lisant le manuel de ma télé qu'il fallait que je branche ma PS4 sur le port HDMI 1 ou 2. Et en fait, j'en ai 4. Et à la base, c'était sur le 3. Il y en a 4? Moi j'ai 4 ports HDMI. Sur quoi? Sur la PlayStation Pro? Non, sur ma télé. Ah oui, bien sûr. Oui. Et en fait, pour avoir vraiment Ouais, faut le mettre sur Il faut mettre sur le HDMI 1 et 2. Ouais, 1 c'est ou ça. 2. Ouais, parce que c'est pas les mêmes ports, ouais. Ils peuvent pas le mettre sur les 4. C'est ça, c'est ça exactement. Et du coup, je me mets un putain, je lance NAC ou n'importe quel jeu. Je vois que le HDR il est en 2K. Ouais. Qu'il y a le. Voilà, le camp. Quand je change le HDR, quand j'active, je vois l'écran, il met 1080p. Je dis, what the fuck, j'ai pas acheté une TV 4K pour avoir du 1080p. Et ouais. À 1h du matin, j'ai trouvé la solution. Et ben. Et du coup, tout se passe bien. D'accord. Et j'ai joué à Destiny 2 tout à l'heure en 4K et avec le HDR, les effets lumière encore plus, what the fuck. Ouais, je t'ai dit, hein, c'est excellent. Et tu vois la différence ou pas finalement? Ouais, oui, carrément. À combien de pourcents tu la vois? Un bon petit 70, 80. Au niveau de la netteté, au niveau des couleurs. T'as vu, c'est excellent. Au niveau des couleurs en fait. Avec le HDR. Ouais, c'est excellent. Surtout que j'ai les télés qui ont les dernières versions du HDR, tu sais, j'ai l'option PQ ou HPL, enfin un truc dans le genre, bref. C'est des termes un peu techniques, hein, pour parler PQ, du HDR, ouais. C'est une dalle 10 bits ou 12 bits, je sais pas. Ah, bref. PQ 12 bits, ouais. Ouais, tu vois, PQ 12 bits, finalement, encore, on va encore parler des chiottes. Ouais, tu vois, comme quoi que ça nous suit. C'est ça. Ouais, non, mais leurs technologies sont excellentes, quoi. Du coup, ça se passe bien. Le problème, c'est que quand je capture, eh bien, voilà, je repars en 1080p. Ah oui. Parce qu'en fait, mon boîtier, il bride la connexion. En fait, c'est mon boîtier, il bride la résolution. Je peux pas aller plus loin. C'est un boîtier 1080-60. C'est ça. Il va pas au-dessus. Du coup, la PS4 détecte l'entrée. Ouais, c'est ça. Ce qu'il te faut, en fait, c'est le nouveau boîtier qui sortira. Ouais. Ouais, qui coûtera 250€, mais... Comment tu sais qu'il coûte 250? Bah, parce que je fais une supposition, hein, les boîtiers... Un peu plus, celui-là, je dirais. Ouais, qui tolère les nouvelles, enfin surtout la 4K. Ouais, je dirais qu'il va même valoir 400, pas loin de 400 même. Ah ouais, non mais voilà, c'est pas pour moi. Ouais, je suis sûr. Et après, la 4K, pour la traiter, YouTube abîme beaucoup la qualité. Ah ouais, laisse tomber, quoi. Putain, encore en gramme bleu, quoi. Parce que YouTube, tu sais qu'en fait, ce lecteur-là, il compresse tellement tes vidéos, que nous, en fait, je pense que Marcus va vous confirmer, dès qu'il sort, en fait, son rendu final, il est beau. Mais que YouTube après compresse et sabote de 60% la qualité, quoi. Ah ouais, véridiquement, ouais. C'est impressionnant, quoi. Il y a une baisse de qualité, et c'est surtout voyant quand tu fais des captures sur des paysages naturels. Exact, ouais, c'est quand dommage. Quand tu as des hautes herbes, t'as un petit effet pixelisation un peu dégueulasse.
C'est pour ça que généralement tu essaies de, quand tu as un pays, quand tu as un jeu avec beaucoup de végétation, comme Horizon Zero Dawn, j'avais tendance un petit peu à booster le bitrate. C'est ça, mais c'est dommage hein, parce que franchement la qualité, si on aurait pu mettre la même que nous en capture, comment ça serait magnifique. Franchement, vous en prendrez bien plus les yeux, même si certains vont dire ouais, mais c'est le gameplay qui compte, mais c'est vraiment tout en fait, c'est un ensemble. C'est plus agréable quoi. Clairement, si on pouvait avoir la qualité qu'on a quand on a notre fichier brut rendu... Il verrait tout de suite la différence. Hein. Ouais. Tiens, attends, j'arrive, j'ai récupéré une arme. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est là. Voilà, j'ai un fusil automatique Ross Lysis et c'est un fusil d'éclaireur. Bien. Là, je regardais vite fait... Attends, il y a encore des Pokémon. Ouais, bah je sais pas ce qui se passe ici, mais on a l'impression que c'est une fiesta géante là. Bon, par contre, l'arme que j'ai récupérée, du caca, donc bye. Ouais, t'as pas de bol là. Je vais prendre. Attends. J'ai un fusil à impulsion en exotique, j'ai un fusil à impulsion en légendaire. Et là, ça donne quoi? Attends. Ah, mais c'est quoi cet endroit? Il y aura que des boss ou quoi? J'avoue. Ah ouais, non, c'est mais. C'est un coin farmé là? Ouais, ça, c'est un coin à mon avis. Ouais, à farmer, ouais. Attends, je vais vite fait retirer. Qu'est-ce que j'avais pris moi? C'était pas ça, c'était un fusil automatique. Why. Attends, est-ce que c'est ça? Yes! Là, c'est bien mieux! On est sur une sacrée zone ici, hein. Ouais. Regarde, ils arrivent encore. Ouais. Je suis en train de checker un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Mais avant Destiny, les monstres sortaient souvent des grottes aussi. Ah, mais tiens, on vient pas de par là, nous? Je sais plus, je veux même on pas gaffe. Par là-bas, fait. Mec. Ouais, si c'est par là-bas. Ah, il y a même des. Là, tu les vois bien les éclats ramassés, regarde en face de toi. Je vois pas. Juste en face, t'as comme des cristaux. Juste en face, non, là-bas. En face, t'as des cristaux. Et c'est une plante, non, en face, là-bas, regarde. Ouais, là-bas. Ouais, Noël, là, et c'est là où je tire. Ouais, ça, je sais qu'il y a des monstres. C'est là où on était tout à l'heure. Non, c'est là où on était tout à l'heure. Là où on t'a attendu parce que t'as une co pourrie. Ah oui, ça y est, je suis alarmé sur la table, c'est là. T'en avais mort ou pas, là? Non, je me souviens pas. Moi, j'avais pas ce problème là. T'as une mémoire sélective. Ouais, sur certains points. Ouais, c'est ça. T'as... Je retiens que les informations que je trouve nécessaires. Bah, c'est ça, une mémoire sélective. Hein. Oui. Tu retiens que ce qui t'intéresse. Exactement. Qui te semble utile, et le reste, je fais semblant de pas comprendre. Ce que t'as mangé hier soir, finalement, tu t'en souviens plus quoi. Ah, si. Ça, c'est des trucs très importants, la nourriture. C'est le. Oh, le mec. C'est le plus beau cadeau que la nature nous a offert. Bien manger. Ouais. Bon bah écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, hein. c'est pas la peine de perdurer encore et encore à blablater. Bon après on peut, vas-y, je vais juste encore une fois regarder le paysage. Parce que bon finalement, vous allez pas la revoir cette planète là, hein, parce que la prochaine fois on repart où là? C'est pas sur Terre. Ouais, sur Terre, ouais. Voilà, donc profitez bien de cette planète. Adieu Io. Voilà, adieu Io. C'était court hein, franchement, hein. C'est une mission de chaque pour l'instant. Hein. Ouais, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage, parce que regarde, sur les autres opus, c'était 4 missions minimum. En fait, t'avais la planète et t'avais 4-5 endroits où tu pouvais y aller sur la planète. Que là, je trouve c'est un peu, tu vois, c'est... En fait, on est sur une lune, là. Ouais, t'es sur la lune, en fait, de... Parce que là, regarde, ouais, quand tu vois la planète à côté, elle est un peu trop grosse. Bah, c'est la plus grande du système solaire, c'est Jupiter. Ouais. Mais y a pas un DLC qui va sortir où on va aller carrément sur Jupiter? C'est une planète gazeuse, hein, donc je sais pas où est-ce que tu pourras t'arrêter. Hein. Attends, j'ai vu Jupiter quelque part. Hein. Oula, on va aller sur une autre lune de Jupiter. Ouais, sur une autre lune, parce qu'elle en a au moins 70 des lunes. Hein. Je sais plus, j'ai vu des forêts infinies. Et tu sais combien de terres tu peux ranger dans une planète comme celle-là? Devine, tu vas pas me croire. Combien de terres tu peux? Sur Jupiter. Ouais, sur Jupiter. Combien tu peux en mettre? Moins, 100 terres. Non, tu peux en mettre quasiment 1000. Hein. 1000? Ouais, 1000. Et le pire, c'est le soleil. Le soleil, tu peux mettre 1 million de terres. Ah ouais, non, mais ouais, ça, c'est hardcore, c'est les instants. Et t'imagines, t'aurais une planète. Une planète. Une planète comme. Jupiter, où. Voilà, c'est 1000 fois la Terre. Donc, logiquement, tu pourrais avoir 1000 fois plus de personnes qu'actuellement. Voilà, toi, il se passe des choses. T'imagines un petit peu le truc. Ouais, mais bon. J'avoue quand même, c'est. Faut que tu vives 10 000 ans pour que tu fasses le tour de la planète, quoi. Ouais, c'est ça. Et que t'aies tout exploré, quoi. C'est ça, hein.
Non, c'est trop grand, franchement, dès que tu vois la complexité de l'univers, tu t'arraches les cheveux dès que tu l'étudies, Ah c'est bah, de toute impressionnant. façon, voilà, On est juste un grain de sable, hein. Ouais, un grain de sable, c'est ça. C'est impressionnant. Hop là! Donc voilà, donc je Sur pense ce... qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour. Et sachant que c'est moi qui ai commencé, c'est toi qui finis. D'accord, bah je te laisse faire ta... Non, j'ai commencé, tu finis, mec. Ah d'accord, donc bah on vous dit à bientôt les amis, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et en tout cas désolé aussi pour les petits problèmes techniques, hein. Ça je pouvais pas le prévoir, et je pense que la prochaine mission, on va retourner un petit peu tranquillement sur Terre, et je pense qu'on commence à se rapprocher vraiment de la fin, quoi. Ouais, Donc on n'a pas encore... tout doucement mais sûrement on va vers la fin. Exactement, donc on vous dit à bientôt, prenez soin de vous. Ouais, ciao, bye bye. Au revoir Marcus. Au revoir Buddy. Bisous bisous. Au revoir Rémi. Et bisous bisous. Non, pas de bisous bisous. Allez, vas-y, bisous bisous. Non, non, juste bye bye. Bisous Ça, bisous. Non, non, non. Bisous bisous. Oh le mec. Bah oui, non mais t'es comme ça toi, t'es méchant. Voilà, mais non, écoute, voilà. Moi je dis pas bisous à un mec. Ouais, c'est ça, menteur, et à chaque fois il me fait un bon bisou, hein, à bientôt. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, menteur. Bah allez, mais on ça, vous dit à bientôt. C'est dans tes rêves ça, c'est quand tu fais dodo le matin. Ah non, 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 moi je dodo le soir, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, gros bisous à tous. Ciao.